Salut les gens, c'est Rico, Little Unicorn Friend, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures sur Youpi Psycho, épisode 13. J'espère que vous allez bien. On avait pas mal avancé, beaucoup même, et on essaye de sauver nos amis, ce qu'on essaye de faire. On a aussi le masque que l'on peut prendre au deuxième étage, au premier étage, mais j'ai envie d'explorer en fait, de passer ce niveau. De passer cet épisode, une fois que ça va pas être trop long, à explorer, même si je vois pas ce que je pourrais faire. Avec... Je pense pas que ça passe. Je pense pas que ça passe. Parce qu'il nous reste 4 noms, je crois. On avait 6 noms, il nous en reste 4. Et je vois pas. Où il pourrait être caché en fait. Parce que je présume que peut-être il y aurait des moyens d'accéder aux autres étages. On a l'histoire du carton qu'on peut avoir. Il nous manque un carton pour aller au sixième. Le dixième, je pense pas. Ah non, c'est juste son bureau. On a activé aussi la télécommande. Je sais pas à quoi ça sert. On a rien. On a toujours cette carte. On a les clochettes. Peut-être via le deuxième étage. Est-ce que là le huitième? Comment je pourrais aller là? Comment je pourrais... Ouh, ça fait flipper ça, hein. Je vois pas comment je pourrais accéder en fait à ces autres étages. Parce que cinquième, on a... Putain. Au cinquième, on a... C'est histoire de carton, t'as chier, mais... Oh! Oh, y'a quelqu'un ici! Où est-ce que c'est là? Attendez, attendez. Attendez. Attendez, 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 attendez. C'est pas con. C'est pas con, cette idée. Parce qu'il y a un bruit, là, c'est que c'est là. Ouf. Putain, ça m'aide pas. On va juste se balader comme ça, je pense pas qu'il y ait un ennemi. Je pense pas qu'il y ait la Sintra possédée dans le coin. Et en plus, la Sintra possédée ne faisait pas de dégâts, elle nous aidait. Parce qu'il n'y a pas de truc de... Plus on va loin... Plus on va loin... Oh! Yes! Ok. Ça pourrait être ici. Qui je. Attendez. Je viens juste de capter. Il saigne pas au même endroit? Bah, c'est Inai. Ok. Ça en fait 3. Donc, il n'y a plus le bruit. Ok, il n'y a plus le bruit. Ok, 5 piles. Oh, okay. Ok. Histoire de poussette aussi que je comprends pas bien.
Tiens. Tous les... Oh! 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 Merde, j'avais complètement oublié! La revanche. La revanche de Plastinudo. Hein? Je l'ai vu. Qui? La sorcière. Je suis désolé, gamin. Tu veux du fromage? Ça m'a toujours aidé. Merci. Merci. Je trouve. Ok, donc c'est intéressant ça. Intéressant. Ah! Salut! Ok. Kate, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu saigner, Kate. Et ça, ça serait Jenna. Yes. Ok. Kate, on l'a jamais vu saigner. Est-ce qu'elle a saigné? Non, un autre, ok. Ok, on est bon. On est bon, les gens. On est bon, on est bon. Truc de VHS. C'est le 7e. Comment je pourrais y aller? Ah, mais putain, c'est lui qui fait ce bruit de bébé, d'accord. Via le deuxième. J'ai bien exploré les gens. J'ai bien exploré. J'ai le troisième. Il y a, à part les bureaux de Doshi, je vois pas ce qu'on peut faire ici. Là, il n'y a rien à faire. Non. Juste des endroits pour se cacher. J'y retourne, je sais pas, juste au cas où. Non. Là, non. Je veux vraiment un carton là. Je pense qu'il faut juste que je trouve un dernier carton. J'ai un robot de citrouille en fait, peut-être. Un carton. Il y a plein de gros cartons là que je pourrais prendre. Les cartons ont vraiment une tête. Une sprite très spécifique. J'essaye un peu tout les gens. J'essaye un peu tout. L'autre, c'est le deuxième qu'on a accès. Rien. On a les portes qui sont fermées. Donc là, c'est l'ascenseur. Pas de carton. Pas de carton. Et là. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Non, intéressant. Elle est toujours là. Mm-hmm.
Je crois que je pourrais y avoir quoi que ce soit d'utile ici. Ok. Où est-ce que ça pourrait être? Donc ça c'est fait. Le premier c'est donc non. Enfin s'il y a un carton que j'ai pas vu. Regardons bien. Regardons bien les gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Evil. Pétons tous les ballons. Je suis au cinquième, je pense que j'ai tout fait normalement. Au premier, parce qu'il y a un carton. Oh, pas au premier, je veux dire. Au rez-de-chaussée. Non, je vois rien. J'hésite à regarder la soluce. Donc le troisième, il n'y a rien. Quatrième, on n'y a pas accès. Cinquième, on y a accès, mais je crois qu'on a tout fait au cinquième. On a parlé au colonel. On a eu accès, on a libéré celui qui est dans l'ordinateur. On a récupéré, on a sauvé, je veux dire. Celui qui est dans l'ordinateur, celui. Neuvième, il n'y a rien non plus. Enfin, si, il y a un truc à faire au neuvième, mais. Bon, genre. Je vais regarder, je vais jeter un coup d'œil et on va voir comment on fait ça. Mais voilà les gens. Alors, j'ai regardé sur le net. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ça. Mais la dernière boîte est. En fait, il y a deux boîtes. En tout, il y a quatre boîtes en carton qu'on peut avoir. Et donc, faut que j'empile. Faut que j'empile les boîtes pour aller aux archives. Et en fait, c'est ça. Si on peut pas reprendre les autres boîtes, malheureusement. Là, je peux pas grimper, malheureusement. Parce qu'en fait, la troisième boîte, elle est aux archives. Et la quatrième boîte, elle est là où il y avait le jardin où on devait passer, mais on peut plus passer de l'autre côté. Ce qui fait que je pourrais charger une très vieille game, une très très vieille sauvegarde qui date de février et rush le jeu pour avoir la sauvegarde. Parce que ça permet de débloquer la super bonne fin, en fait. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, on va faire directement le truc du masque. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais apparemment, en fait, il y a eu une grosse mise à jour il y a pas longtemps. Je l'avais téléchargé, bah, c'était à l'époque en février quand j'avais recommencé à filmer. Il y avait une mise à jour. Et cette mise à jour a changé les boîtes de place. Donc voilà. C'est parce que le développeur du jeu pensait que c'était trop facile. Donc voilà, je suis un peu déçu qu'on puisse pas retourner en arrière. Mais c'est comme ça. Bon. Prenons la tenue. Je pense qu'il n'en aura plus besoin. Qui est là? Mappy?
Ah ben voilà, c'est bien ce que je me dis, c'était map, c'était, il y avait quelque chose ici. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'enregistre de nouveaux films. Monsieur Démon. Ah. Mappy, cherche les autres, tu ne sauras pas où elles sont. Sosa, Rostov, Kate, je n'ai trouvé personne. À toi de me le dire, je n'étais pas là. On a été attaqué par la sorcière et c'était un tel chaos. Mais je ne les vois pas parmi les corps. Ils sont sûrement enfuis, tu ne crois pas? Elle les a mangés. Hein? Mais l'un d'eux est resté en vie. Qui? Crois, crois. Hein. Dis, monsieur démon. Ok, donc on a la tenue de démon. C'est qu'on n'a pas encore... Il reste combien de piles? Si, je suis allé voir l'autre. Ok, pas de soucis à ce niveau-là. J'ai ma lettre de licenciement. Oui, je l'ai. Ok, donc, direction 9e étage. Ok. Ah, je suis déçu. Après, je voyais aucun autre moyen, en fait, d'accéder aux autres étages. À part la boîte en carton. C'est dommage, c'est dommage. Ok, donc. On a à utiliser ça. Attendez. En faisant ça, voilà. Je devrais aller dans un coin. Je vais laisser mon costume et ma mallette ici. J'espère que personne ne les prendra. Bonjour, je peux entrer? Je suis le démon. Ok. Oh. Bonjour. Bonjour. Oh. Je suis là pour la fête déguisée. Suguru Tanaka. Le sang du démon. Ok. Exposition, le sang du démon. Artiste Suguru Tanaka. Pourriez-vous regarder directement la photo maudite de la dame rouge? Merci. Ok. Ah. Oh. Oh. Ok. Titre l'homme à la main. À ma droite, mort. Ah, oh, c'est encore un truc de... Ok. L'homme à ma droite, mort. Ok. 10e construction pour l'église de la santé. Ok. Méthode. Voilà. Les nouvelles adoratrices. Oh! Sintra! Comment pourrais-je le sortir d'ici? Qu'est-ce que c'était? C'est moi, Brian. Je vais mettre ce costume pour arriver ici. Ah, oh, putain. Je ne sais pas quel problème est là, et je ne vois pas comment je peux la sortir de cette vitrine. Est-ce que j'aurai le courage de regarder ça? La peau de cette créature était blanchâtre. Oh! Oh! Il était le seul à lui parler depuis longtemps. C'est pas le moment, pas le bon moment pour mes voisins de faire des bruits chelous. Ok.
que rien n'a changé ici, mais... Donc cette peinture change de place. Ok, ouais, elle fait que changer de place, ok. Intéressant. Ah. Il est arrivé à sa destination. Le ver dévorant la carne. Faut que j'arrive à la faire bouger de place, je présume. Je présume que c'est ça. Mais comment faire? Ah ouais, il y a un petit bruit. Et je regarde une photo. Donc ça, c'est la limite. Ok. Huh. Château cabalistique. Il manque un tableau. Ouh, Olivier. Mon Dieu, ces tableaux. Le sens caché des nombres. Lampe antique. Personne ne pouvait connaître son emplacement. Oh là là là. Et donc elle a bougé. Elle a bougé d'endroit. Elle est là, ok. Ok. Ça va prendre du temps. Mais je suis sûr qu'on peut y arriver, les gens. Ok, est-ce qu'elle est retournée là-bas? Ou est-ce qu'elle est en haut? Non, elle peut pas être là. Il n'y a pas un tableau vide? Quelque... C'est un cocktail rouge. Est-ce que je dois le boire? Oui. Le goût est étrange, j'ai l'impression d'avoir trouvé mes forces. C'est un autre peinture totalement noir, ça me sera peut-être utile. Donc c'est là-bas où il manque un tableau. Faut que je la bouge là. Ok. Et ici... Ok, elle est où? Où est-ce qu'elle est? Elle est tout en bas? Ouais, ok. Donc c'est ce tableau-là. Ça l'a fait bouger une première fois. Je présume en fait la boisson, c'est si jamais me... elle m'attaque en fait. Ok. Non, elle est pas là. Ah, fait chier. Donc ça va être celle-là. Ok. Là, c'est du l'emmener en haut. Ouais. Ici? Ok. Ça n'a rien fait. Je comprends rien. Je comprends rien à cette énigme, les gens. Je comprends que dalle. Je suis sûr que vous êtes derrière vos écrans. Mais oui, ça fait sens. Ah, peut-être celle-là?
Ok. Parce que je me suis dit le verre. Peut-être que ça a pété le. Mais non. Ok, vérifiant. C'est pas un aller-retour. Ok, elle est bien partie. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'elle est de l'autre côté? Non. Elle est là. Parfait. Yes. Oh. Salut. Présume que son nom est Olivier. Formidable. À chaque fois que je la vois, ça me donne la chair de poule. Ça devrait être un péché de que d'admirer une pareille beauté. Ah. Tu peux commencer. J'ai vraiment aimé ce que tu as fait la semaine dernière. As-tu ramené les crochets et un peu plus de ce délicieux sang? Quoi? Je suis désolé, je te taquinais juste. Qui es-tu d'ailleurs? Oh non, mais Pasternak. Tu es ce nouveau, celui de la fête. Et comment cela se passe-t-il? Tu apprécies l'exposition? Plus ou moins. Qu'avez-vous le plus aimé? Sintra. Sintra. Tu parles de l'androïde, n'est-ce pas? Attends une seconde. C'est une pièce unique. Pas seulement parce que c'est la dernière intacte, non, mais aussi parce que, d'après son numéro de série, c'est la première à avoir été conçue, celle qui a servi de modèle aux androïdes précédents. Suivant. Elle n'a jamais été montrée en public. Elle est retrouvée il y a quelques années cachée dans un des bureaux du fondateur de l'entreprise. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Elle n'a jamais rien dit auparavant. J'ai l'impression qu'elle t'aime bien, Pasternak. Et si on faisait un deal? Je donne Android si tu réponds à une question. Quel genre de question? C'est un peu personnel, mais c'est une question très simple. Très bien. J'aimerais savoir pourquoi tu fais tout ça. Que veux-tu dire? S'il te plaît, ne pense pas que c'est une sorte de question piège ou que sais-je encore. Je suis simplement curieux. Cela me fascine de voir ces gens avec tant de détermination dans leur regard, prêts à tout pour atteindre leur but. Alors, quelle est ta réponse? Pourquoi fais-tu tout cela? Eh bien, je veux que tout s'arrange. Parce que je veux tuer la sorcière. Bien, bien, très bien, je comprends. Mais tu me parles de ton objectif et non de ce qui te motive. Je te demande pourquoi est-ce que tu veux le faire? Pourquoi est-ce que tu t'acharnes? Pourquoi est-ce que tu te caches pas ou n'abandonnes pas? Je ne sais pas si je suis bien clair. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'encourage à accomplir tout ça? Parce que je veux sauver mes amis. L'amitié est quelque chose de très puissant. En ces temps, on oublie souvent ces mots. Ou alors, il devient vide de sens. Ne me réponds pas si tu ne le veux pas. Mais, est-ce que tu es ami avec ces gens depuis longtemps? La vérité, c'est que je ne les connais que depuis quelques heures. Ah! Eh bien, peut-être que c'est plus à propos de toi qu'eux. Tu ne crois pas? Comme un sentiment que tu aurais extrapolé. Tu veux que ces gens soient tes amis, si c'est pour cela que tu veux les sauver. Et donc, si tu y repenses, c'est plutôt égoïste comme raison. Oh mon Dieu, excuse-moi. Je suis une véritable plaie pour tout ce genre de choses. Je ne voulais pas te juger. Je veux te remercier pour ce petit instant, Pasternak. C'était un plaisir de te parler. S'il te plaît, prends l'androïde avec toi. Tu n'as rien d'autre à faire ici? Laisse-moi t'accompagner jusqu'à la sortie. Parfois, cet endroit peut désorienter quelque peu. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Bon. Attends d'ici. Ah! Intéressant. Intéressant. Je sais pas où est passé l'androïde. Et je ne sais pas où est l'autre Dot Matrix.
Passe devant, la sortie est plus bas. Ok, elles sont toujours là. Je suis sûr que la Dodd Matrix va faire extrêmement chier. Bien, je pense que j'aurais plus besoin de ces costumes. Ok, on est bien mieux dans ses propres vêtements. Sintra, allons-y. Ok, monsieur maintenant. Ok. Hein? Alerte de sécurité. Vol des biens de Sintra Corp. Hein? Vite, dépêche-toi. Vite! Oh! Ah, ta mère. Ah, je crois qu'il a pété. Fait chier. Yes. Allez. Vite, dépêche-toi. Je vais sauvegarder là. Je vais peut-être plus sauvegarder en fait plutôt. Merde, j'aurais dû sauvegarder au bureau. Quoique après, je peux toujours récupérer. J'ai deux tranches de papier, donc je peux toujours avoir. D'autres feuilles. Par contre, là, ça va être hautement plus chiant. Ça va être autrement plus chiant. Ok. Ta mère. Ah. Ah, ta mère. Ok. Chaud. C'est chaud. Je vais pas arrêter l'épisode là. J'ai envie... Combien de piles? 4, ok. J'ai envie de... Qu'on s'arrête en fait à la... On s'arrête en fait à la au bureau de Doshi. Je sais pas si on a deux quoi. Ok, on est tranquille. Ouf. Ok, nous y voilà. Cinématique. La tête qui fait. Oh, bonjour Sintra, je suis Ryan. Tu te souviens de moi? Brian. Brian Pasternak. Non. Non. Pas tant Brian. Pardon? Quelque chose ne va pas? Attends, attends, laisse-moi seul. Je ne te quitterai pas. Oh.
Hey, lâche-moi. Ce n'est pas comme si on sortait ensemble ou quoi que ce soit. Je suis désolé. C'est juste que je suis si soulagé de te retrouver, Sintra. Mais tu te souviens de qui je suis? Je m'appelle Pasternak. Bien sûr que je sais qui tu es, idiot. Et arrête de m'appeler Sintra. C'est mon père qui m'appelait comme ça. Appelle-moi Ray. Ah, ok. Je suis un peu confus. Moi aussi, je suis un peu perdu. Je pense que quelqu'un a copié ma mémoire et l'a placée dans ce robot. Alors ça veut dire que tu es la fille de la photo? La fille de la famille? Pas seulement. J'ai aussi accès à la base de données de Sintranet. C'est pour ça que je t'ai reconnu. D'accord. Waouh, ça fait du bien d'être dehors de nouveau. Je ne sais pas dire désolé. Enfin libre. Pourquoi tu fais cette tête? J'ai vu la sorcière. Elle m'a pris tous mes amis. Non, pas tous. Arrête de pleurnicher, allons-y. Où veux-tu qu'on aille? On va régler ça définitivement. Allons parler à Domori. Tu veux dire la sorcière? Arrête de l'appeler comme ça. Il n'y a pas une sorcière, comme tu n'es pas un chasseur. Mais tu sais où elle est? Bien sûr, c'est ma sœur. Elle doit être dans sa chambre, comme d'habitude. Tu pourrais aller la voir? Non? Non, je veux faire quelque chose avant. Je vais t'attendre ici. Fais-moi savoir quand tu es prêt. C'est bientôt la fin, les gens. Ouh! Donc, les gens, j'espère que vous appréciez cet épisode 14, avec de la déception, mais on a quand même bien avancé. Vu qu'il nous restait deux amis à sauver. Kate et. Kate et Martha. Oh, je ne peux pas aller à la photo, aux archives, parce que pour aller aux archives, faut aller. Bon, voilà, ça fait chier. Je vous dis à la prochaine, les gens. Ciao, et surtout, jouez bien. Bye bye!